Good morgen, allez, Yiden, les Suisses, aujourd'hui, les Lunishmat, Richard, Aaron, Ben, Fortune, Mazal, ainsi que l'Irfoua, Tranale, Abad, Gidel, Devora, et Sarah, Bat, Nechama. Et toi, Shachol, Israël, si vous souhaitez, vous aussi, déjà, une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle, nous disons, Massarat, Psachim, Prektet, Mishnah, Vav. Amar, Rabbi Yoshua, Shamati, Shetmoat, Pesach, Kereva, Utmoat, Pesach, Ena, Kereva, Ve, En, Lefaresh. Amar, Rabbi Akiva, Ani, Afaresh. La Pesach, Shenimsa, Kodem, Shritata, Pesach, Ire, Ache, Istaev, Vimacher, Veikach, Bedamav, Shlamim, Vechem, Tmoato. Achar shchitat haPesach, karev shlamim, vechen tmurato. On a une Mishnah qui n'a plus aucun rapport avec le reste du chapitre. Jusqu'à maintenant, on a parlé du Korban Pesach, on a comparé avec le Korban Pesach, Pesach Sheni. Maintenant, on parle d'autre chose. Amar Rabbi Yoshua, il a dit, il a enseigné Rabbi Yoshua. Shamati, j'ai entendu, j'ai reçu de mes rabbanim une halakha que j'ai oublié précisément de quoi on parle exactement. Parce qu'il y avait un cas de chez Tmurat Pesach Kereva, ou Tmurat Pesach Ena Kereva. Un cas d'une Tmurat d'un Korban Pesach que tu pourras apporter au Beth Amikdash, et un cas d'une Tmurat du Korban Pesach que tu ne pourras pas apporter elle-même au Beth Amikdash, mais que tu devras apporter autre chose à la place. C'est-à-dire, c'est quoi la Tmurat d'abord? Pour ceux qui se souviennent de Maseret Tmurat, c'est la substitution. C'est le fait, lorsqu'on a un Korban Pesach, et d'ailleurs, bien longue, une Maseret entière, Maseret Tmurat dans le coaching qu'on avait appris, lorsqu'il y a un Korban, et que je veux le substituer par une autre vache, un autre animal équivalent. Je vais prendre la gloucha de l'un et la transférer sur l'autre. C'est interdit de le faire d'abord. Et même lorsque je le fais, eh ben on a gagné que l'autre il est devenu kadosh et le premier il est resté kadosh. Le premier il est resté dans sa gloucha, et le deuxième il est devenu une tmoura, il prend une gloucha, qu'il faudra en général donner le même statut que le premier au deuxième. Sauf cas particulier où tu ne peux pas transférer la gloucha. Si un c'était une Ola, tu as dit que celui-là il va devenir Ola à la place, les deux ils sont Ola, tu dois faire les deux Ola. Shlamim, idem. Après il y a quelques petits problèmes avec la Khatat, Tmurat Khatat, pour ceux qui se rappellent la Mishnah, les Timna et Tapilegesh. Et voilà, il y a des cas. Mais de manière générale, la Tmura elle prend le même statut que le Korban lui-même. Vient Rabbi Yoshua et me dit, j'ai un problème, j'ai reçu une halakha de Merabanim, qui me disait que des fois le substitut de du Korban Pessah, eh ben, tu l'apporteras quand même en Korban. Et dans un autre cas, le substitut du Korban Pessah, tu ne l'apporteras pas en Korban. Ve'en li lefaresh, je ne sais pas sur quel cas ils ont parlé. Amar Rabbi Akiva, il a rétorqué Rabbi Akiva, Ani Afaresh, j'ai une super idée brillante pour expliquer, trouver deux cas de Tmurat Pessah, où l'un sera apporté en Korban et l'autre ne sera pas apporté en Korban. En réalité, parce que tout simplement ce qu'il va faire Rabbi Akiva, c'est qu'il va trouver dans l'Elchot Korban Pessah, un cas d'un Korban Pessah que tu devras apporter, et un cas d'un Korban Pessah que tu ne devras pas apporter. Bien, on va expliquer là, parce que vous ne devrez plus comprendre. Je le fais d'abord à l'oral, ce sera plus facile. On parle d'un cas particulier. On avait désigné un Korban Pessah, un premier mouton, et qui a disparu. On l'a cherché, on ne l'a plus retrouvé, du coup on a pris un deuxième mouton, que ce sera lui le Korban Pessah. Et figurez-vous qu'une fois qu'on a pris le premier mouton, on s'apprête à lui faire la shrita. Le deuxième refait pointer son nez. Les deux, ils sont là devant nous maintenant. Donc les deux, ils sont potentiellement aptes à devenir des Korban Pessah. Mais il y a un problème. C'est que lorsque je vais décider que le deuxième, il va être Korban Pessah, et bien le premier, ce sera quelqu'un qui était apte à être Korban Pessah, que j'ai repoussé Beyadaim. Dichouy Beyadaim. Je l'ai repoussé, je le fais perdre sa gdoucha. Ce sera un Korban Pessah qu'on ne pourra plus manger. Qu'est-ce qu'il faudra en faire? Il faudra patienter qu'il va avoir un défaut. Et puis après, on rachètera sa gdoucha avec ça. Et avec l'argent de sa gdoucha, on apportera un korban comme on expliquera ensuite. D'accord? Tandis que si on l'apportera en korban shlamim. Karev shlamim. Par contre, si toutefois j'ai pas retrouvé mon premier mouton. J'ai pris un deuxième mouton, je l'ai déjà fait la shrita. Une fois que je l'ai fait la shrita, le premier korban réapparaît. Alors là, c'est plus un korban que j'ai repoussé Beyadaim. On a gagné que maintenant ce korban Pessah, il ne pourra plus être Pessah, parce que moi je dois faire un seul Pessah. Mais il va devenir Shlamim. J'attendrai la fin de Pessah, le lendemain. Dès le lendemain même, je pourrais le décider d'apporter un korban Shlamim si je veux. Regardez que maintenant, on se retrouve avec une situation d'un korban Pessah, dont l'un, il va être... il va être repoussé complètement, il pourra plus être Korban, et un Korban Pessah, que a posteriori, il va devenir
il va devenir un autre korban, il va devenir un shlamim. De ce fait, le substitut du premier, du korban invalidé, il va devenir invalidé. Et le substitut du korban que je pourrais apporter en korban, eh ben, il va être validé. Vous avez compris le principe? Regardez, on fait ça dans les mots. Amar Rabbi Akiva, ni Afaresh, moi je vais t'expliquer la différence. A Pesach, Shenimza, Kodem, Shritat, A Pesach. Un korban Pesach que tu as, donc entre parenthèses, qui avait disparu, que tu as retrouvé, Shenimza, que tu as retrouvé, Kodem, Shritat, A Pesach. Avant que tu fasses la Shrita d'un autre korban à la place. Dans ce cas-là, tu l'as repoussé, Beyadaim. Yeshdichoui, Bebalechaim, tu l'as repoussé, Beyadaim, ouais. Alors, Irae, Adcheistaev. Lui, tu ne pourras plus l'apporter encore dans le sarc, mais il devra être roé, il devra paître dans les champs et patienter. Patient, gentiment, du hachistev jusqu'à ce qu'il va être refoulé parce qu'il va avoir un défaut. À force de traîner et de manger dans les champs, finalement, il va se retrouver à boiter, à se faire écorcher à un endroit où il ne pourra plus guérir. Il va devenir, il va se faire repousser. Et il va avoir un défaut. Et par là, ensuite, Veimacher, tu peux ensuite le revendre. Et par sa valeur, Veikar Bedamav Shlamim, il prendra par sa contre-valeur un Korban Shlamim. Donc ça, c'est le Korban Pessar que lui-même, que la Tmour, et donc, si tu fais la Tmour, Vechen Tmourato, idem pour sa Tmoura, le substitut. C'est-à-dire, puisque le Korban Pessar, dans cette situation-là, où il était apte à être Korban, et que tu as décidé de prendre quelqu'un d'autre, et donc lui, tu l'as laissé sur la touche, il était invalidé d'être un Korban Pessar, tu ne pourras plus l'apporter lui-même en Korban Pessar. Si quand il était invalidé d'être lui-même Korban Pessar, tu as décidé de prendre un animal et tu dis lui sera sa Tmoura, et bien lui va prendre le même statut que l'autre, et ce nouveau Korban aussi, de nouveau, tu ne pourras plus l'apporter en Korban lui-même, tu devras patienter qui va avoir un défaut pour pouvoir ensuite apporter avec sa valeur un autre Korban Shlamim. Vechen Tmourato, donc même pour le substitut. Par contre, Achar Shritat à Pessar. Si tu l'as retrouvé le premier korban après que tu as déjà fait à la place un autre korban Pessah, donc maintenant tu ne l'as pas repoussé, Beyadaim, il n'était pas présent. De ce fait, le statut de cet animal c'est quoi? C'est d'être Karev Shlamim. Il sera apporté en guise de, en tant que korban Shlamim au Batamikdash. Tu pourras l'apporter en tant que Shlamim parce que tout Pessah qui n'a pas été repoussé, Beyadaim, tout Pessah qui n'a pas été offert comme il se devait, il devient un korban Shlamim. Donc du coup, Ren Tmurato, idem pour son substitut. Si tu as fait la Tmura, eh ben son substitut sera lui aussi un Korban Shlamim qui sera apporté lui-même et pas sans avoir besoin de patienter qu'il va avoir un défaut pour ensuite le racheter et apporter par sa contre-valeur à notre Korban. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une répète de Hatzlacha Kol Tov.